Et coucou, on se retrouve pour la guidance flamme jumelle de la semaine. Alors on y va parce que la semaine c'est un peu plus long. Pas beaucoup, mais... Alors, le karma. On a le karma pour le masculin, on est là pour le masculin. Alors, le masculin va travailler encore sur son karma, sur toutes ces blessures karmiques qu'il a de sa famille, de son transgénérationnel, de ses vies antérieures, de tout ce que vous vous trimballez, ben, il va falloir bosser encore un petit peu. Peut-être que c'est un rapport avec votre sexualité, peut-être aller voir de ce côté-là, d'accord? En tout cas, on vous parle ici de sexualité sacrée qui vous lie, vous masculin, avec votre autre. Il se peut que ce soit en 5D, vous voyez si ça vous parle ou pas. Sinon, moi, je pense qu'il y en a vraiment qui ont besoin de nettoyer quelque chose au niveau karmique de sexuel. Et ben, on a des réunions. Hein. On a des réunions, les amis, pour cette semaine qui sont là. Alors, on va voir. Ouais. On a les réunions pour les masculins sacrés. Mais c'est vraiment vous qui avez besoin de travailler ce karma. Il y a vraiment un besoin réel de travailler sur ça afin de pouvoir aller vers cette réunion. Ok, il y a encore la source qui s'en mêle, on le savait, d'accord? On le savait, elle est toujours là, mais en attendant, elle est là pour vous amener vers le bonheur. Alors, je prends vite. Qu'est-ce qu'on a en double bec? On a la source, la réunion, la sexualité sacrée. Et ouais. Mais le masculin, il a peur. Il a peur pourquoi? Ben parce qu'il a peur, parce qu'il se dit que à tout moment, ce qu'il pense peut-être possible, ben ça s'effondre encore une fois. Et oui. Hein? Parce que dans ce parcours, on sait très bien que ça va, ça vient. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, pour tous ceux qui se posent des questions sur ce parcours, du temps que je mélange un petit peu là, c'est de prendre soin de vous. Il n'y a pas forcément des retrouvailles de couple. On est vraiment là pour travailler sur soi. Alors bien sûr que c'est dommage, hein, tant mieux pour ceux qui se retrouvent, parce qu'ils vont faire de grandes choses. Allez, hop, hop. On me dit d'en prendre trois comme ça. Alors, on vous dit ici que vous avez le guide céleste. On est dans le timing, c'est crucial. Vous êtes dans le moment. Pour ceux qui ne se retrouveront pas cette semaine et qui étaient prévus qu'ils se retrouvent, ça va foirer la chose. On te dit ici qu'il y a le royaume caché, vivre en pleine conscience, d'assumer cette relation et d'être dans le voyage astral. Voilà, vous voyez.